Bonjour, je m'appelle Madame Mea Joachna, professeure de mathématiques. Niveau terminal D. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le cours intitulé « Fonction logarithme ne paie rien ». L'objectif de ce cours, c'est de faire une étude et faire la représentation graphique de la fonction ln, voir comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on étudie la fonction ln et faire la représentation graphique. Mais avant d'aborder notre cours, on commence par un bref aperçu des primitives d'une fonction et ensuite nous allons prendre la logarithme ne peut rien. Et enfin, nous terminerons peut-être par une application s'il y a encore le temps. Bien, qu'est-ce qu'on entend par une primitive d'une fonction? Donc, grand A, primitive d'une fonction. A, définition. C'est quoi la primitive d'une fonction? Donc, je prends soit f, une fonction définie sur un intervalle i. D'accord? On appelle primitive d'une fonction f noté grand F si F est dérivable F dérivable sur I tel que grand F prime de X égale à F de X. Donc, exemple, nous avons par exemple f de x égale à 1 tiers de x au cube plus 5 de x. Lorsque vous avez cette fonction-là, si vous dérivez cette fonction, nous avons quelle forme pour la dérivation? Nous avons la formule f de x égale à u à la puissance n. Donc, la dérivée de cette fonction, ça donne quoi? N, U prime, U à la puissance N, moins 1. Donc, si on dérive cette fonction, on aura 3 sur 3, X au carré, plus 5. La primitive n'est autre que le contraire de la dérivée. Donc, ici, nous avons tendance à descendre. Donc, si vous êtes à n, pour la dérivée, vous avez n moins 1. Mais par contre, pour la primitive, ça va s'augmenter de 1. Donc, au lieu d'avoir n moins 1, vous avez n plus 1. Donc, là, par exemple, si vous cherchez la primitive serait quoi? Ça, c'est une constante. Donc, nous avons 3, le coefficient qui se trouve ici. Donc, plus 1, x à la puissance 3 plus 1 plus 5 1 plus 1 x 1 plus 1. Donc pour la dérivée on diminue de moins 1, pour la primitive on augmente de plus 1. Donc f de x, grand f de x serait égal à quoi? Donc nous avons 1 tiers 1 quart x à la puissance 4 plus 5 sur 2 x à la puissance 2. Ça, c'est le grand F que nous avons. La définition dit quoi? La primitive, lorsqu'on dérive la primitive, on retrouve la fonction mère. La fonction mère ici, c'est f de x égale à 1 tiers de x au cube plus 5x. Bon, on va essayer un peu de dériver grand F pour voir si on peut retrouver f de x. Parce que normalement, ça doit vérifier la définition.
Donc, en dérive, grand F' de X, nous avons 1, 3, 5. Si on dérive là, 3, 4. 4, X à la puissance 3. Plus 5, 2. 2, X. Ça, ça se simplifie. Donc, on retrouve 1 tiers de X au cube plus 5X. Donc, là, nous avons la primitive de la fonction f de x. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que on appelle primitive d'une fonction f l'existence de grand f dérivable sur cet intervalle, si est ce mot-ci, le grand f' de x égale à f de x. Deux, nous donnons ici le tableau qui résume normalement, le tableau qui va vous permettre de donner les primitives de chaque fonction d'une manière générale. Donc, tableau des primitives. Donc, ici, je vais présenter les fonctions. Et là, je vais présenter les primitives qui vont avec les fonctions qui seront ici. Donc, je définis par exemple f de x égale à k. Avec k constante, quelle est la primitive de cette fonction? Ce n'est autre que grand f de x égale à k de x plus une constante c. F de x égale à x à la puissance n, avec n appartenant à n étoile. La primitive, c'est grand f de x, qui est égal à 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Nous avons f de x égale à 1 sur racine de x, avec x supérieur à 0. La primitive égale à 2 racine de x plus grand C. Là aussi, il y a grand C. À chaque primitive, on ajoute une constante grand C qu'on peut déterminer lorsqu'on vous donne une condition initiale. Nous avons ici f de x égale à 1 sur x à la puissance n avec n appartenant à n étoile privée de 1. Grand f de x égale à moins 1 sur n moins 1, x à la puissance n moins 1, plus la constante c. Nous avons f de x égale à u prime de x, u à la puissance n de x, avec n appartenant à n étoile. Le grand f de x ici serait égal à u à la puissance n plus 1 de x sur n plus 1 plus c. On continue. Nous avons f de x ici qui est égal à u prime de x sur racine carrée de u de x, grand f de x, la primitive, égale à 2 racine de u de x plus la constante c. Et enfin, f de x, nous avons u prime de x sur u de x avec n appartenant à grand n étoile privé de 1. Le grand f de x égale à moins 1 n moins 1 u à la puissance n moins 1 de x plus une constante. Ce tableau, ça c'est juste en résumé quelques formules. Ce tableau vous permet directement de trouver la primitive d'une fonction. Donc, exemple, on peut prendre f de x égale à x. Je vais essayer un peu de voir dans le tableau quelle est la formule qui correspond
à la fonction que j'ai ici. Quand je regarde, j'ai par exemple là f de x égale à x à la puissance n avec n privé, n étoile. N étoile, ça veut dire juste n privé de 0. Donc ça commence de 1 jusqu'à plus l'infini. Quand je viens ici, l'exposant chez nous ici, c'est combien? L'exposant, c'est n égale à 1. Donc, je peux prendre la formule C. Donc, si je prends cette formule, on dit quoi? F de x égale à x à la puissance n. Sa primitive, c'est f, grand F de x, égale à 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, j'aurai quoi? Grand F de x serait égal à quoi? 1 sur... Notre n, dans notre cas, c'est 1. Donc, j'aurai 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1, plus la constante C. Donc, ce qui va me donner quoi? 1 demi de x au carré plus C. Donc, ça, c'est la primitive de la fonction f de x égale à x. Or, la définition nous dit que si on dérive f de x, ça va nous donner la fonction du départ. Bon, ici, si on dérive, on voit bien que si on dérive f' de grand x, le 2 va descendre, donc on aura 2 sur 2, x, 2 moins 1, 1, plus le c, la dérivée d'une constante, c'est 0, donc on n'a même pas besoin de mettre ça, donc ce qui va nous donner x, la fonction du départ. Donc lorsque vous avez une fonction f de x, on vous demande de trouver la primitive, vous devez être capable de trouver la formule qui correspond avec la fonction et chercher sa primitive. Donc, on a fini avec le tableau. Donc, 2, 3, on va passer aux théorèmes fondamentaux. Premier théorème. Je vais mettre les deux théorèmes ici parce que nous aurons besoin de ça pour la suite. Premier théorème, nous avons si f, une fonction continue, est positive sur un intervalle i, et si i appartient à i, l'intervalle du départ, alors la fonction qui va de i dans R à tout x, on associe l'intégrale de ax f de t d de t est l'unique primitive de f sur i qui s'annule en a. C'est-à-dire, nous avons quel que soit x appartenant à R étoile plus, nous avons grand F de x qui est égal à l'intégrale à x F de t de dt. Ça s'implique, nous avons F' de x égale à F de x. Ça, c'est la définition de la primitive dès le départ. Ça, c'est le premier théorème. Le deuxième théorème, donc là 1, deuxième théorème 2, dit toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur cet intervalle. Bien. Lorsqu'on essaie de lire les deux théorèmes,
Ce théorème dit quoi? Lorsqu'une fonction est continue, sur un intervalle, sur ce même intervalle, il y a l'existence d'une primitive. Donc, la primitive existe, la primitive de cette fonction est x. On prend un exemple. Tout à l'heure, nous avons donné f de x égale à x au carré. L'ensemble des définitions de cette fonction, c'est r. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. C'est une fonction polynôme. Cette fonction est définie continue dans R. Donc, ça veut dire qu'il existe, donc, d'après ces deux théorèmes, il existe une primitive de cette fonction f de x que nous avons trouvé f de x, un grand f de x, égal à 1 tiers de x au cube plus c. Il y a une différence entre une primitive et la primitive. À quel moment on parle de la primitive? C'est lorsqu'on vous donne une condition initiale pour déterminer la constante C. Lorsqu'on vous donne une condition, par exemple, grand F de 1 égale à 0, et on vous demande de déterminer la constante C, alors là, on parle de l'unicité. Donc, c'est l'unique primitive pour cette fonction F de X. Mais lorsque nous n'avons pas une condition, nous avons une primitive, donc il y a une infinité de primitives de cette fonction, parce qu'à chaque fois, la constante C peut varier. Parce que dans le cas, par exemple, ici, nous avons grand F de 1 égale à 0. Si j'essaie de déterminer la constante C, j'aurai quoi? J'aurai F de 1. Je vais remplacer là où il y a X, 1. Donc, on a 1 tiers plus C. Or, on nous a dit grand F de 1 égale à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. C serait égal à moins 1 sur 3. Donc là, on aura quoi? On aura grand F de x égale à 1 tiers de x à la puissance 3, moins 1 sur 3, on remplace. Mais lorsque je modifie la condition initiale, le C aussi va changer. Donc, pour une même fonction, on a plusieurs primitives. Donc, l'unicité, c'est lorsque nous avons la condition C. Donc, si nous avons une condition initiale, pour déterminer la constante C, là on parle de l'unique primitive de la fonction f. Mais au cas contraire, nous avons une infinité de primitives. Ce théorème, on nous dit, toute fonction continue sur i admet une primitive sur cet intervalle. Je prends une fonction f de x égale à 1 sur x. Cette fonction-là, est continue sur R étoile plus. Mais si on cherche la primitive de cette fonction-là, on n'aura pas. Déjà, quand on voit le tableau, d'après le tableau, on avait une formule. La formule, c'était f de x égale à 1 sur x à la puissance n. Pour n, on dit n étoile privée de 1. Et ça donnait quoi? On avait f de x qui était égal à moins 1, x à la puissance n moins 1, x, n moins 1. On remarque ici, on a dit n appartient à n étoile privée de 1. Maintenant, si nous forçons le passage, on sait bien que nous ici, notre n égale à 1. Mais essayons un peu de trouver la primitive de cette fonction. Parce que d'après le théorème 2, on nous dit toute fonction continue sur un intervalle, il admet une primitive sur cet intervalle. Mais on essaie de trouver par la primitive de la fonction 1 sur x. Nous avons donc f de x, 1 sur x, défini sur r étoile plus. Donc, grand f de x, par rapport à cette formule, on a quoi? Moins 1. Notre n ici, c'est 1. Donc, on a 1 moins 1, x à la puissance 1 moins 1. Or, ça, on se rend compte que ça donne 1. X à la puissance 1 moins 1, ça donne x à la puissance 0 qui n'est autre que 1. Mais 1 moins 1, ça donne 0. Or, ça, on ne peut pas faire ce calcul. C'est comme s'il y a une contradiction entre le théorème et la formule. Pour être en accord avec la formule, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que le théorème 2
nous assure de l'existence d'une primitive. Donc, ici, nous ne pouvons pas donner la primitive de cette fonction-là par rapport à la formule. Donc, on crée une fonction qu'on appelle ln de x et on dit que par rapport à cette fonction-là, la primitive de la fonction 1 sur x serait grand f de x égale à ln de x, x appartenant à r étoile plus. Parce que nous savons bien que cette fonction est continue sur r étoile plus. Donc, d'où la création de la fonction logarithme Neupéré. Donc, la définition de la fonction logarithme Neupérien serait égale à quoi? La fonction logarithme Neupérien n'est autre que la primitive de la fonction 1 sur x définie sur r étoile plus. Donc, là, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, le théorème 1 et 2 nous conduit à l'existence de la fonction ln de x. Mais d'après le théorème 1, pour que la fonction 1 sur x puisse admettre une fonction, une primitive sur cet intervalle-là, nous avons défini dans le premier théorème une fonction qui allait de i vers r, on associe à ça l'intégrale 1 point ax f de t d de t. Donc, ce qui nous conduisait à grand f de x égale à l'intégrale de ax f de t d de t et f' de x égale à f de x. Notre fonction s'annulait au point a. Donc, la définition de notre fonction, ça serait quoi? Donc, ln de x, x, f de t, d de t, le point A qu'on ignore pour l'instant. Donc, ln de x comme dérivée, ça serait maintenant, avec f de x, c'est quoi chez nous? Avec f de x égale à 1 sur x, défini sur r étoile plus, r étoile plus. Donc, grand 2, fonction, logarithme, Neupérien. 1, définition. Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc par la fonction logarithme Neupérien? Donc, on appelle fonction logarithme Neupérien. On note souvent ln. L'unique primitive de la fonction 1 sur x sur r étoile plus qui s'annule en x égale à 1. Donc, autrement dit, nous avons quelque soit x appartenant à r étoile plus. Nous avons f de x égale à ln de x avec ln de 1 égale à 0. Donc, notre fonction, la primitive, donc la fonction ln, c'est la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en x égale à 1. Donc, ln de 1 égale à 0. Passons aux propriétés de cette fonction. Nous avons deux propriétés. P1,
La première des choses, c'est que nous devons retenir ln de 1 égale à 0. Et ln de E égale à 1. E, c'est le nombre de l'heure. Ça se trouve même sur vos calculatrices, donc. E, il y a aussi une valeur attribuée à ce nombre. 2,7128, 3 points de suspension. P2, on prend soit des réels A positive, B positive. Nous avons ln de A plus ln de B égale à ln de A fois B. Ln de A moins ln de B égale à ln de A sur B. Nous avons ln de 1 sur B. D'après la formule qui se trouve ici, nous avons ln de 1 moins ln de B. Or, nous savons que ln de 1 égale à 0. Donc, nous avons moins ln de B. Nous avons ln de A inférieur à ln de B si et seulement si A est inférieur à B. Ln de A supérieur à ln de B si et seulement si A est supérieur à B. Nous avons ln de A égale à ln de B si et seulement si A égale à B. Et enfin, nous avons quel que soit X appartenant à R étoile plus, on dit log de X en base A n'est autre qu'égal à logarithme de ln de X sur ln de A. En regardant la dernière propriété, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que logarithme de x en base a égale à ln de x sur ln de a. Dans notre cas, la fonction ln, c'est aussi le logarithme de x, mais en base e. Parce que si nous prenons par exemple log de x en base de e, on aura quoi? D'après la dernière propriété, nous avons ln de x sur ln de e. Or, nous savons que ln de e, d'après la première propriété, c'est égal à 1. Donc, on se retrouve avec ln de x. Bon, très souvent, normalement, c'est cette notation, mais les gens utilisent ln de x d'une manière générale. Donc, les propriétés qu'on a ici s'appliquent lorsque nous souhaitons résoudre les équations ou les inéquations de la fonction logarithme de x. Donc, nous allons utiliser ces propriétés-là sur la résolution. Mais passons d'abord à l'ensemble des définitions de la fonction logarithme. Dans la définition, on a dit la fonction f de x égale à ln de x est définie sur r étoile plus. Ça veut dire juste quoi? C'est défini lorsque x est supérieur à 0. Ça, c'est un cas particulier. Maintenant, je prends par exemple soit u, une fonction donnée. J'ai f de x égale à ln de u de x. Pour donner l'ensemble de définitions de cette fonction f est définie si et seulement si nous avons u de x supérieur à 0.
Ça, c'est le cas où nous avons ln égale à ln de u de x. Si nous avons f de x égale à ln de valeur absolue de u de x, quelle serait l'ensemble de définition de cette fonction? La fonction ln est définie positive. Donc, ça ne prend que les valeurs positives. Par exemple, très souvent, lorsque, par exemple, vous avez la fonction irrationnelle u de x, à quelle condition cette fonction est définie? Cette condition est définie si et seulement si le u de x est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction ln aussi a sa condition à l. La condition, c'est que pour que cette fonction, la fonction ln soit définie, il faudrait qu'elle soit dans, sur r étoile plus. Donc, ici, étant donné que nous avons la valeur absolue, un nombre négatif de la valeur absolue, ça sort toujours un nombre positif. Donc là, nous aurons quoi? Là, on va s'occuper plutôt de quoi? Ce sera f est défini si et seulement si le u de x est différent de 0. L'autre cas, si vous avez f de x égale à ln de u de x sur v de x, cette fonction est définie si et seulement si u de x, v de x est supérieur à 0. Ça, ce sont les conditions qui nous permettent de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction ln. Exemple, on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions des fonctions petit a, nous avons ln de x, f de x égale à ln de x plus 1. Nous avons petit b, f de x égale à ln, la valeur absolue de x au carré moins 1. Je commence avec le petit a. Nous avons f de x égale à ln de x plus 1. Ici, je remarque, nous avons f de x égale à ln de u de x. Le u de x ici chez moi, c'est x plus 1. Or, on dit quoi dans ce cas-là? F est défini si et seulement si le u de x est supérieur à 0. Donc, mon u de x ici, c'est x plus 1. Donc, cette fonction f est définie si et seulement si nous avons x plus 1 supérieur à 0. Une inéquation du premier degré qu'on doit résoudre. Donc, ça va nous donner quoi? Nous avons x supérieur à moins 1. Donc, là, vous avez un axe de moins l'infini à plus l'infini. Vous avez moins 1 ici. X est supérieur à moins 1. Donc, on prend la partie supérieure de moins 1. On assure la partie inférieure. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction, on va, étant donné que c'est x strictement supérieur à moins 1, donc notre intervalle ici est ouvert. Donc, on va de moins 1 à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de définition de la fonction f de x égale à ln de x plus 1. On prend le deuxième cas. F de x égale à ln de la valeur absolue de x au carré moins 1. Là, nous avons f de x égale à la valeur absolue de u de x. Or, cette fonction-là est définie si et seulement si u de x est différent de 0. Donc, on aura quoi? F est défini si et seulement si x au carré moins 1 différent de 0. Donc, ici, on a quoi? Nous avons x moins 1. Là, nous avons la forme a carré moins b carré qui nous donne a moins b, facteur de a plus b. Donc, nous avons x moins 1, x plus 1 différent de 1.
Donc ça, ça implique x doit être différent de 1 ou x différent de moins 1. Donc, on aura quoi? E de f égale à r privé de moins 1. Un rappel, l'ensemble de définitions d'une manière générale, c'est quoi? L'ensemble de définitions, c'est quoi? Quel que soit x qu'on prend dans un intervalle i, il y a l'existence de son image, donc, appartient aussi à un intervalle quelconque. Donc, par exemple, ici, nous avons E de f qui va de moins 1 à plus l'infini de la fonction f de x égale à ln de x plus 1. Quel que soit le x qu'on va prendre dans cet ensemble de définitions-là, f de x0 va exister. Donc, s'il y a une valeur de x qui appartient ici, et lorsqu'on calcule l'image de cette valeur, on ne trouve pas un réel, là, il y a un problème. Cette fonction n'est pas définie sur cet intervalle. Donc, regardez par exemple ici. On va de moins 1 à plus l'infini. On sait que 0 n'appartient pas. Moins 1 n'appartient pas à cet intervalle parce que c'est ouvert. Si on calcule l'image en ce point-là, normalement l'image de cette fonction ne devait pas exister. Ça veut dire que ça ne va pas donner un réel. Donc, si je prends par exemple, je calcule f de moins 1, donc je viens remplacer là où il y a x moins 1, nous avons ln de moins 1 plus 1 qui donne ln de 0 qu'on ne connaît pas. Erreur. Donc, l'image en ce point-là n'existe pas. Donc, cette fonction n'est pas définie en ce point. Donc, vous voyez très bien ici pourquoi on a enlevé la valeur x égale à moins 1. Ici, on voit, ça va de r privé de moins 1 à 1. La personne peut se poser la question, pourquoi r? Alors qu'on avait dit auparavant, x, la fonction ln est définie positive. Tout à fait normal, c'est défini positif. Parce que ici, quel que soit le x qu'on va prendre dans R, le x carré là, c'est toujours positif. Peu importe la valeur que tu vas prendre dans R, le x là sera positif. Donc, si tu prends moins 1 élevé au carré, tout nombre négatif élevé au carré, toujours positif. Donc, ici, on s'inquiète maintenant de voir quelles sont les valeurs qui annulent la fonction. Donc, il faut écarter les valeurs qui annulent la fonction. Parce que notre fonction, normalement, est définie sur R+. Donc, R étoile plus. Donc, privé de 0. Or, là, toutes les valeurs qui appartiennent à R, lorsqu'on viendra remplacer ici, par exemple, moins 3 au carré, ça va nous donner 9. 9 moins 1, ça va donner 8. La valeur absolue de 8, 8. Donc, ln de 8. Il y a bien l'existence de l'image. Mais par contre, si on prend moins 1, on remplace ici, on aura moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, ça donne 0. Ln de 0, on ne connaît pas. Vous pouvez même calculer sur vos calculatrices et vous verrez que ce serait une erreur. Il n'y aura pas un résultat. Donc, c'est pour ça qu'on a écarté les points 1 et moins 1. Donc, l'ensemble de définitions n'est autre que vérifier si les valeurs qui appartiennent dans un intervalle donné, si on calcule l'image de ces points-là, cette image-là existe. C'est ça l'ensemble de définitions. Nous avons fini avec les ensembles de définitions. On passe cette fois-ci aux dérivés. Au départ, on avait défini la fonction ln comme étant la primitive de la fonction 1 sur x. Or, d'après la définition de la primitive, nous avons f' de x égale à f de x. Donc, la dérivée de la fonction ln de x n'est autre que f' de x égale à 1 sur x. Maintenant, d'une manière générale, ça c'est un cas particulier. Si nous prenons f de x égale à ln de u de x, avec u, une fonction donnée, la dérivée de cette fonction-là, c'est u prime de x sur u de x. Donc, exemple,
On prend ln de x plus 1. On nous demande de dériver cette fonction-là. Ici, nous avons u de x égale à x plus 1. Donc, la dérivée de u prime de x égale à 1. Donc, si on cherche la dérivée de f prime, d'après la formule, c'est égal à u prime de x sur u de x. Donc, on aura quoi? 1 sur x plus 1. Ça, c'est la dérivée de la fonction f de x égale à ln de x plus 1. Pour aujourd'hui, on s'arrête sur les dérivées. La prochaine séance, nous viendrons continuer sur la résolution des équations et inéquations avec logarithme. Et nous énoncerons les limites classiques et enfin nous finirons par une étude complète de la fonction ln de x. Merci. Au revoir.